Alors bonjour Stéphane pour Radio Normandie Rock, nous sommes en direct du Hellfest et nous avons le plaisir ce matin dès midi à avoir Deficiency avec nous. Bonjour les gars. Salut. Donc vous êtes un groupe de thrash metal mélodique créé en 2009, 4 albums à votre compteur, un single qui sort le 26 juillet. Oh là, il a bossé. Exactement. D'accord. comment expliquez-vous votre longévité ? Ah bah parce qu'on est assez con pour continuer. Acharné. Acharné, c'est le bon terme. On fait ça vraiment par plaisir, on est une bande de potes et puis on est passionné par ce qu'on fait, donc il n'y a aucune raison qu'on arrête. Ça se sent bien d'ailleurs. Vous êtes une bonne bande de potes. Ouais. Parce qu'on a un bassiste qui vient à toutes les répètes. Absolument toutes les répètes. Alors foiré, allez, bim. Réglage de compte en direct. À balles réelles les mecs, à balles réelles. Donc je voulais savoir comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi ce style de musique plutôt qu'un thrash pur et dur. On s'est rendu compte qu'on pouvait rajouter des notes entre les accords en fait. Et ça a été une révélation pour nous. Et donc, non, on s'est rencontrés. Alors le groupe a été créé il y a 15 ans maintenant. Et puis le line-up a pas mal évolué au fur et à mesure des années. Je suis arrivé. Et puis la mouture là, ça fait. Elle est solide depuis quelques années maintenant. Et puis pourquoi est-ce qu'on fait du trash mélodique ? Vianney a répondu. Parce qu'on n'écoute pas que du trash. Et on n'aime pas que le trash, donc ce qui explique. Donc on apporte beaucoup d'éléments finalement, d'influence de tout un chacun un petit peu extérieur. Ouais. Tu parles plus fort, je pense, Vianney, parce que ça passe à la radio. Oui, mais c'est pas grave. D'ailleurs, on n'aime pas le trash en fait. Je déteste ça. Donc du coup, quels sont vos groupes influenceurs quand vous étiez jeune et encore maintenant d'ailleurs ? Thibaut InShape. J'ai dit influenceur. Mais... Non, bah après, ouais, je dirais qu'on a effectivement des veines de trash classique, mais comme dit, avec des influences un petit peu plus modernes, plus diverses. Si maintenant on devait comparer, c'est pas le bon terme, mais je dirais qu'on serait sur un espèce de mélange entre Machine Head, Soilwork et d'autres groupes un petit peu plus old school finalement. Qu'est-ce que tu écoutais quand t'étais jeune ? C'est ça que t'as demandé en fait. Oui, les influences. La même chose. En fait, on a tous à peu près la même base. On a commencé avec Metallica, Metallica, Pantera, Slayer, Megadeth, Maiden. Oui, j'étais fan. Voilà. J'adore. Et après, évidemment, en vieillissant, en grandissant, on s'est ouvert à plein d'autres choses. Mais on va dire, nous quatre, on a vraiment commencé la musique avec ces noms-là, quoi. Ok. La BRR vous a quand même influencé, donc du coup, ouais. sur votre style de musique. Ouais. Ouais. Un peu, ouais, quand même. Ouais. Sur les autres albums, voire sur le single à venir, qui écrit les paroles, qui compose la musique ? Non, tu sais, c'est à la radio, donc on voit pas le doigt pointé. Alors, je dirais principalement, c'est Laurent, notre guitariste-chanteur ici présent, qui ramène le, on va dire, le gros du paquet. Parce qu'il y a un duc, ça va. Change ta phrase. Il ramène le gros du paquet, je ramène le gros paquet, quoi. Initialement, c'est Laurent qui apporte le gros de la structure, voilà. Des morceaux, la base des idées. Après, on va dire que lors de la compo, chacun ramène un petit peu sa sauce au niveau de la structure, au niveau de tout ça. On se met tout ça. On arrange les choses ensemble. Voilà. On peut aussi. Après, on peut composer les choses ensemble. C'est le gros de la structure. Salaud. Quitte à continuer à balles réelles, les mecs. Du coup, vous avez un album en préparation ? Oui. Voilà. En fait, je me permets. Vas-y, je t'en... Moi, j'ai intégré le projet il y a 2 ans, donc à la sortie de l'album Warrenta. Donc, j'ai pas participé du tout à cet album. Et depuis, je sais plus du tout ce que je veux dire. Si, tu Depuis, je participe au processus de composition. C'est ça. Ouais, c'était ça. Mais vas-y, continue. De composition. Je m'appelle Gabriel. En fait, Gab, il apporte vraiment des choses qui ne sont pas dans ma culture musicale à la base. Maintenant, je pense que nos prochains morceaux, ils vont avoir une couleur qui va fortement être marquée aussi par ce que lui peut apporter. D'éléments qui viennent plus du jazz. Il a, on va dire, une connaissance théorique de la théorie musicale beaucoup plus poussée que nous, celui que moi. Plus que nous. Voilà. Voilà, donc il va. Mais c'est juste que avant, Laurent composait tout seul, et depuis que je suis là, on compose à deux. Voilà.
C'est l'avantage d'embaucher un vrai musicien en fait voilà, dans une équipe de ça aide. Ça peut aider. Avant on jouait deux notes, maintenant trois. C'est ça. On met quelques notes entre les accords. Alors, vous déjà on en revient sur. On met troisième entre les accords. Dimanche, vous jouez sur l'altar. Il paraît. D'accord. Un set de 30 minutes. Yes. Ouais. Ça va être court. Mais attends. Comment allez-vous choisir les morceaux? Ah bah c'est déjà fait. C'était difficile de les choisir. Ouais. Ouais. D'autant plus que. Oui, pardon, vas-y. Je disais ouais que comme le timing est serré, nos titres sont relativement longs. Hein. On n'est pas dans des titres de 3:30, on est plus dans les 5-6 minutes. Donc. Il va falloir les jouer plus rapidement, quoi. C'est ça. Ça va être fat, quoi. C'est ça. Non, la difficulté, c'est effectivement de rentrer vraiment les titres choisis dans ces 30 minutes. Donc, ça va être un set qui va être dense, avec assez peu de coupures pour respirer. Donc, voilà. Donc, du coup, vous allez enlever le batteur de sa chaise à la fin du concert, quoi. Ah, ouais, clairement. Les 6 minutes à 3 minutes. C'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Là, on n'aura pas le choix. On a mis tous les clics à plus 20 BPM, et puis bon, ils se démerdent. Il faut suivre. Ah, le but, on va prendre tout le monde dans la gorge, on n'aura pas le temps de tergiverser. Et puis nous, ça nous mettra tout de suite dans le bain et dans l'ambiance et dans l'énergie. Vos projets de tournée sur 2024, ouais. Vous en avez? Ouais, bon, on a des dates sur la fin d'année. Là. Ouais. On va faire le Mainz Metal Fest à la rentrée. Là. Excellent. On va faire le Death Rock Fest aussi à Brest en octobre. Encore d'autres. On aime la Bretagne. On se reverra. Ah bah parfait. Volontiers. Voilà. C'est un peu plus long d'ailleurs. Hein. Je pense pas que vous jouerez une demi-heure. Ouais, non, on est en tête d'affiche, donc c'est vrai. Ça devrait le faire. On aura un peu plus de temps pour s'exprimer. Et puis voilà, non, après d'autres dates en préparation sur la fin d'année, sur 2025. Mais on va dire le gros cycle de tournée pour l'album Varenta commence tout doucement à toucher à sa fin. Et puis on va vraiment s'atteler à composer le nouvel album bientôt. Pour finir, une petite anecdote à raconter sur une sortie d'album, sur une tournée, des choses un peu rigolotes qui auraient pu vous arriver. Est-ce qu'on peut parler d'hier soir? Non, on va pas parler d'hier soir. Alors Vianney était bourré. Que hier soir? Non, hier matin aussi. Ah oui. Dans le van. Eux non plus, hein, eux non plus. Mais Bonjour. Ouais, une anecdote. En fait, on est plus ou moins des sages. Tu vois, on prépare les choses bien, on essaie de faire les choses sérieusement, sauf Vianney. Appelons un chat un chat. Donc c'est vrai qu'on est pas chiant du tout parce qu'on adore rigoler. Mais ouais, je sais pas. J'adore l'humour. J'adore l'humour. Ouais. Non, franchement, on a tellement de souvenirs. On se marre beaucoup. Ouais. On est peut-être sage, mais on est très idiot aussi. Et je pense qu'en fait, ce serait plus simple de citer une date où il n'y a pas d'anecdote que l'inverse, finalement. Clairement. Donc, c'est ça. Clairement. Bon, du coup, y a-t-il une date où vous n'avez pas eu d'anecdote? Je pense que c'est dimanche en fait. Dimanche. Ah, attends, avec le stress. Ouais, dimanche, on va être. On va être tight. Ouais, ça va être tight. Il faut qu'on. On peut pas rigoler quoi avec cette date. Non, mais ça va pas. Non, en fait, je suis en train de réfléchir et même je me dis les petits plans, les trucs, mais en fait, les petits plans. Le plus à la rage, c'est là où il y a le plus d'anecdotes. Je pensais à. Non, pas Nirmeren, je sais plus où on a joué. Celui avec les. Au bord d'Amsterdam. Non. Avec les trucs de j'en ai une. Le festival en Allemagne, là, comment il s'appelait encore? Le Riddler Open Air. 2000. Bah oui. Oui, mais c'est une anecdote, c'est pas une. Il y a eu. En fait, on était en plein mois d'août, il faisait magnifique, et d'un coup. Il y a eu un déluge avec des grêlons, mais un truc de malade. Le festival a dû s'arrêter. Donc nous, on a eu de la chance parce qu'on avait joué avant que le déluge ne tombe. Et en fait, c'était l'apocalypse. Le matos a cramé, il y avait 10 cm de flotte sur scène. Enfin, ça a duré un quart d'heure, mais c'était un truc de malade. On proposait des hoodies au merch, des suites à capuche, et on s'est fait dévaliser en fait à ce moment-là. Maintenant, on en propose plus. Ah ouais, je savais pas. Ah ouais, nous on est partis, nous. Il y a un gars, je crois, il aurait mis n'importe quoi sur la table pour avoir la suite, pour se tenir au chaud. Du coup, on les a mis à 120 balles. Écoute, c'est la meilleure journée. On a rentré la chose. Voilà. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Avec et plaisir. Merci à vous. Merci à toi. Et merci bon concert dimanche. Merci à toi. On va faire en sorte. On va essayer. Merci.